Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc là, ce week-end, vous allez avoir deux vidéos avant la reprise de Koh-Lanta. Donc notamment cette vidéo-ci pour parler du premier épisode de la saison 3 des Traîtres, où je tiens à préciser que c'est la première fois dans ma vie que je regarde cette émission. Je n'ai ni vu la saison 1 ni la saison 2. À part des gens qui en parlaient, comme Maxime, qui parle aussi de Koh-Lanta, Pékin Express, de cinéma, de comics, enfin bref, il parle de beaucoup de choses similaires à moi, sauf que lui, il fait tout sur une même chaîne et avec une meilleure qualité, hein, parce que je pense qu'il a plus de moyens, mais voilà. Du coup, je l'ai déjà entendu lui parler des traites, mais j'avais jamais regardé l'émission, pourtant, il y avait des gens que j'aimais bien. Qui sont apparus dedans, comme Claude, notamment, de Koh-Lanta. Voilà. Et vous allez aussi avoir une vidéo liée à Koh-Lanta, juste avant la nouvelle saison, La Tribu Maudite, parce que j'ai reçu un commentaire sur ma vidéo où j'ai fait une vidéo sur Claude, mardi soir, pour ceux qui... Enfin, mardi dans la journée, pour ceux qui ne le sauraient pas, un peu une semaine avant de revenir dans Koh-Lanta. Et j'ai reçu un commentaire et ça m'a fait penser à une des raisons pour lesquelles j'ai extrêmement peur pour la nouvelle saison. Mais on va parler de ça dans la vidéo suivante. En ce qui concerne les traits, donc comme je viens de le dire, je ne connaissais absolument pas le programme. C'est-à-dire que je savais que c'était un jeu où des gens devaient s'éliminer, devaient être plus malins que les autres et tout, mais à aucun moment je savais réellement comment se déroulait un épisode ou quoi que ce soit. Alors, je connaissais quelques personnes sélectionnées, parce que comme je suis abonné à la page de M6 sur Instagram, bah forcément sur M6, je vois, j'ai vu des petits réels en mode tac, je crois que j'avais dû voir celui de Sylvie Tellier, peut-être de Daniel, enfin de Carla aussi, je pense. Bref, j'ai vu quelques personnes passer comme ça, où j'avais vu voilà, faire le teasing globalement de cette saison des Traîtres. Et du coup, je vais revenir sur cet épisode, vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et est-ce que du coup je vais continuer à parler des traites par la suite, puisque on parle déjà de Koh-Lanta, qu'on va reprendre mardi prochain, et j'ai hâte comme jamais de reprendre Koh-Lanta, même si bon, je trouve toujours que c'est trop tôt, mais j'avoue que j'ai quand même une grosse hâte. Pékin Express, évidemment. Bon, après, Pékin Express étant à la base un programme de M6 sur diffuser le jeudi soir, ce qui est le cas des Traîtres. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est que cette année, on n'aura pas de Pékin Express en même temps que Koh-Lanta, donc pas deux jeux d'aventure en même temps. Donc, ça, c'est cool. À moins que, du coup, la saison encore après la Tribu Maudite de Koh-Lanta, là, soit diffusée en même temps que la prochaine saison de Pékin Express, qui sera très certainement après les Traîtres. Bon, là, ce serait un peu chiant, parce que bon, avoir deux programmes d'aventure en même temps, c'est pas ouf, c'est mieux d'en avoir deux différents dans l'année, genre un vers l'automne-hiver, un printemps-été, je trouve que c'est mieux. Mais bon, après, c'est pas moi qui fais les programmes télé, moi, j'y connais rien en termes de comment faut mieux diffuser les gros programmes et tout, donc voilà, eux, ils ont sûrement leur stratégie à eux. Bref. Et du coup, les traîtres pourraient officiellement devenir la nouvelle, le nouveau plutôt programme télé dont on pourrait parler ici. Puisque, comme vous le savez, à la base, on parle de Koh-Lanta de Pékin Express, mais cette chaîne est surtout vouée, depuis que j'ai morcelé la chaîne Anacalypsie en 8 morceaux, cette chaîne est surtout faite pour les programmes télé français. Alors, effectivement, pour l'instant, il n'y a que Koh-Lanta et Pékin Express que j'aimais bien. Mais si les traîtres, j'aime bien aussi, peut devenir un nouveau programme à suivre. Alors, comment se déroule le programme? Alors, parce que au cas où, on ne sait jamais. Peut-être que vous, si vous connaissez très bien les traîtres, ce que je vais dire la plupart du temps, voilà, c'est un peu le déroulé, mais en même temps, c'est un peu comme ça que je parle de Koh-Lanta, de Pékin Express. Je reviens sur de manière chronologique, sur des éléments que j'ai aimés ou pas, enfin, du moins, ou que j'ai trouvé intéressants ou pas. Bref, donc je vais faire pareil avec les traîtres.
Et du coup, si des gens ne connaissent pas, bah, ça vous et qui découvrent entre guillemets en même temps que moi, bah, ça permet également à ces gens-là de mieux cerner un peu comment se passe le programme. Bref. Du coup, au début, quand ça a commencé, du coup, on découvre un peu tous les joueurs. J'ai trouvé par contre que c'était très 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 long. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait présenté tout le monde, hein, notamment je pense à Amy LTR. J'ai beaucoup pensé à elle dans cet épisode parce qu'on ne la voit quasiment jamais, on la voit quasiment jamais parler. Et je me suis dit. En fait, c'est un peu le problème des programmes où il y a trop de monde. Alors, je ne dis pas que c'est problématique forcément d'avoir trop de monde, mais c'est que ben, très rapidement, tu peux partir du programme et qu'on t'ait quasiment jamais vu. Ça s'est vu à Koh-Lanta, qu'on finisse des saisons comme les 4 Terres avec du Ava ou Flavio. Flavio, je sais plus quelle saison c'était, mais avec des aventuriers comme ça que tu avais quasiment jamais vu de la saison et qui te reste que ça à la fin et tu dis, bah. Ok, voilà. T'en as qui sont éliminés dès le début que t'as pas vraiment le temps de voir. D'ailleurs, c'est un peu ce qui va se passer ici. Hein. Il y a une personne qui va se faire éliminer, bah, du coup, qu'on n'aura quasiment pas vu, et je trouve ça assez triste. Mais du coup, comme Amy Alter, c'est une youtubeuse que moi j'ai suivie pendant pas mal d'années, notamment quand elle traînait beaucoup avec Maison Grise. Et ben du coup voilà moi après j'ai un peu moins suivi une fois qu'ils ont arrêté de faire des vidéos ensemble ou du moins moins régulièrement et voilà pas que je la déteste au contraire très pour moi ça me fait très plaisir de revoir Amy LTR dans le programme mais dans cet épisode en tout cas on l'a quasiment pas vu et je me suis dit en fait c'est un peu bizarre parce que au début tu vois on présente des gens t'en as qui sont en voiture qui ramassent d'autres gens sur la route. Tu as merde, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Je vais m'ouvrir la page Wikipédia de cette saison. En plus, j'ai sa tête, mais je sais pas pourquoi j'ai le nom de Laurent Ornac qui me vient en tête alors que ça n'a absolument rien à voir. Non, hop, je suis désolé pour ce petit moment un peu de fou. Il n'y a pas une page Wikipédia, si. Les traites. Attends, on avait qui dans les saisons précédentes? Clémence Castel. Attends, ouais, Clémence Castel, elle était dedans, la vache. Clémence, Elsa Esnault, David Douillet. Natou, ils ont l'habitude. Delphine Westpizer, ouais. Ok. Saison 2, on avait qui? Juju Fitcat. Norbert Tarrer, Andy Raconte. Ouais. Guillaume Play, ouais. Natacha Saint-Pierre, Claude. Ah, et Claude qui a été. Qui a pas fait long feu. Thibaut Etchep, ah, du coup, on sent quand même des choses qui reviennent dans le casting, hein, des gens d'internet, des couples, des gens de la musique, du cinéma, de la télé. On sent ouais, à peu près des castings quand même très très similaires. Bon, et là, je vais avoir honte d'avoir oublié le nom de cette personne, qu'en plus je connais. Bon, je dis pas que je regarde ses émissions, mais quand même. Tout le monde le connaît. Laurent Ruquier. Ouais, je savais que c'était un Laurent quelque chose. Laurent Ruquier, du coup, qui lui attend au château avec son compagnon. D'ailleurs, je savais même pas que Laurent Ruquier était homosexuel. Franchement, j'aurais jamais dit. Mais voilà. Et du coup, il y en a plein qui finissent par se rassembler, par arriver ensemble à comment ça s'appelle? Du coup, au château où ils vont faire l'émission. Et le truc, c'est qu'il y en a plein qu'on ne voit pas. Je pense notamment, ou du moins qu'on n'a pas le temps de voir, parce que en gros. Il y en a, comme je disais, ils sont sur le bord de la route, dans des voitures, ils viennent petit à petit. Alors, tu as le nom des personnes, mais en vrai, bah, quand tu les connais pas, parce qu'ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils sont 20. Il y a au moins la moitié que je connais pas. J'en connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, sur les 20, il n'y en a que 9 que je connais. Ce qui est très très peu. Et du coup, bah,
La plupart, en fait, on les voit pas. Si, 10 avec le mec, là, le record des 12 comédies, allez, on va dire, j'en connais la moitié. Ce qui est extrêmement peu de connaître la moitié du programme, et pour les trois quarts, t'as juste le nom de la personne. Voilà, par exemple, un mec que je connais pas, Gwenda, le Marimoutou, par exemple, t'as juste son nom en bas pour dire, bah, tac, dans la voiture, il est là. Sauf que bah, quand t'as une voiture où tu connais quasiment personne et que t'as les noms, bah, c'est peut-être pas non plus à savoir qui c'est. Il y en a certains qui ont un peu des portraits, entre guillemets, comme dans Koh-Lanta ou Pékin Express, sauf que c'est extrêmement léger, hein. Par exemple, il y a. Alors, Daniel, je crois que c'est le plus long. Mais en même temps, ils en ont fait exprès parce que Studio Daniel, c'est juste incroyable. Daniel, elle fait rire tout le monde. Et du coup, on sent que c'est pour ça qu'elle a eu le truc le plus long. Mais voilà, son portrait, tu voilà, je fais du contenu sur Internet avec Arthur, machin. Voilà, et d'ailleurs, Arthur, lui, je pense qu'il aura sûrement son truc ailleurs, mais sauf que ce sera à peu près la même chose. Sera, bon, moi, je fais du contenu avec Daniel. Et voilà, il y a Valérie qui aussi a eu son petit portrait. Enfin, bref, il y en a eu quelques-uns qui ont eu des portraits. Mais dans cet épisode, en fait, la plupart des gens qui ont eu un portrait, c'est des gens que je connaissais. Il y en a quelques-uns que je connaissais pas qui ont eu leur portrait, mais voilà. Du coup, pour continuer, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois qu'ils sont tous présentés, ils arrivent au château. Il y a du coup Éric Antoine, hein, c'est bien ça, hein, le nom. Quand même que je dise pas de conneries. Éric Antoine, ouais, c'est bien ça. D'ailleurs, Éric Antoine, on reviendra en conclusion, hein, mais j'ai vraiment du mal avec lui. Ok, apparemment, une quatrième saison a déjà été tournée avec des créateurs de contenu. S'il y a une saison que avec des youtubeurs, ça va vraiment pas être incroyable, incroyable. J'aime bien ce mélange actuellement, mais on reviendra dessus plus tard. Du coup, les gens, ils arrivent, ils n'ont pas encore vraiment comment dire, d'étiquette, entre guillemets, loyal traître. Ils arrivent, on leur explique le topo, voilà, vous êtes là, vous allez jouer, vous allez devoir trahir des gens ou pas, voilà. Ensuite, il y a ce côté entretien, alors ça, j'ai pas trouvé ça ouf. Ouf non plus, mais un côté en gros où ils font des entretiens avec Éric Antoine où le gars leur dit est-ce que vous voulez devenir traître? Et du coup bah les gens ils sont en mode bah pour les trois quarts oui j'ai envie d'être traître, moi je suis là pour jouer donc je suis prêt à être globalement une raclure et éliminer tout le monde. D'ailleurs Frédéric Bell va faire une grosse apparition à ce moment-là puisque elle va pré-shot. Le fait qu'il y a quatre traîtres et ça c'est incroyable d'ailleurs elle va à nouveau pré-shot un truc plus tard tu te dis mais what the fuck comment elle fait pour ressentir les choses à ce point-là quoi et personnellement moi j'aime beaucoup Frédéric Bell. Hop, attendez, je sais pas pourquoi mon truc il s'est dézoomé là. Mais voilà, en tout cas, ils font des entretiens, c'est plutôt sympa, mais ça, je trouve que c'est pas intéressant plus que ça. Je trouve que c'est une partie qui prend peut-être 5 minutes et qui peut très clairement être enlevée, parce que ben, en vrai, c'est pas ouf. Ce côté entretien, parce que le gars il arrive, bah forcément les gens, eux ils viennent pour jouer, ils connaissent l'émission, donc les trois quarts ils sont en mode bah oui j'ai envie d'être traître, et au final bah c'est ça reste quand même bah, le programme qui choisit, enfin la production pardon qui choisit, donc je trouve que ça c'est pas essentiel, ce côté entretien. Surtout que bah, les gens viennent faire l'entretien, ils sont moi j'ai envie, moi j'ai pas envie. Bon, bien sûr, on voit pas les 20, sinon si on voyait les 20, ce serait pas intéressant. Mais forcément, on voit forcément les futurs traîtres dans cet entretien. C'est assez évident. Et quand ils partent, après, du coup, après ça, ils sont tous mis dans cette pièce où ils vont voter plus tard, et du coup, les rôles vont être donnés. Et d'ailleurs, je trouvais que cette façon de donner les rôles est peut-être pas la meilleure idée.
Parce qu'en gros, ils sont tous autour de cette table ronde. On leur demande de mettre un bandeau sur les yeux. Alors, le problème que j'ai avec ce bandeau sur les yeux, c'est que bon, nous, en tant que spectateurs, on sait pas trop s'ils voient à travers ou pas. Bon, j'imagine que non. Mais tu pourrais très bien tricher en ne le mettant pas comme il faut ou des choses comme ça. Enfin, je me dis, c'est pas non plus le plus incroyable de faire comme ça. Ça permet quand même d'avoir des réactions qui sont plutôt intéressantes. Mais personnellement, je trouve que par exemple, l'idée de donner l'enveloppe à, tu vois, d'aller dans la chambre, de dire paf, toi t'es éliminé. Je trouve ça plus intéressant parce que personne ne peut te voir, personne ne peut vraiment pré-shot ce qui se passe. Alors que voilà, ici, tu sais, en fait, t'as un petit côté loup-garou, tu sais, avec le maître du jeu qui se promène autour, qui joue sur sa présence et tout ça pour brouiller les pistes. Donc, il y a un côté où je trouve ça bien, en même temps, juste le fait d'avoir les yeux bandés. Je sais pas si ça. Puis ça permet vraiment de tout cacher. Bon, après, les gens y jouent, donc ça va. Après, je dis pas que le programme est truqué ou quoi que ce soit, mais j'avoue que la mise en scène, il y a un côté où j'aime bien, un côté en même temps où j'aime pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Donc, les trois premiers traîtres sont désignés. Donc, ils sont Frédéric Bell, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Frédéric Bell, que je connaissais déjà en tant qu'actrice. Et que j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, on a Crazy Sally, qui est une créatrice de contenu très seulement sur YouTube que je ne connaissais pas et avec lequel j'ai. En fait, c'est très bien avec Crazy Sally parce que d'un côté, elle joue extrêmement bien, ça faut le reconnaître, et en même temps, j'aime pas trop en fait sa façon d'être, tout simplement. C'est-à-dire que elle est un peu maniérer, en faire un peu des tonnes quand elle parle et tout, et ça, ces gens-là, j'ai vraiment du mal. Alors, je les déteste pas, mais c'est clairement pas les gens avec qui je deviendrais ami dans la vraie vie, quoi. Moi, j'aime bien les gens simples, qui parlent simplement, qui en font pas des tonnes dans leur langage ou dans leur façon d'être. Et là, quand tu la vois faire plein de gestuels, et je parle vraiment face cam, parce que quand t'es dans le jeu, que t'en fasses des tonnes, ils le font tous, Frédéric Bell, la première. Quand ils sont dans le jeu, ils en font des tonnes. Mais quand t'es face caméra et que t'es là encore en train d'en faire des tonnes et tout pour le business, enfin pour le show, alors que bon, bah. Moi, personnellement, ça me cringe plus qu'autre chose, et voilà. Mais en termes de cringe, il y a quand même un champion dans cette émission dont on reparlera après. Mais voilà. Et le troisième, pour l'instant, c'est Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. J'ai quasiment jamais regardé ces émissions. Je crois que j'ai peut-être dû en voir quand j'étais vraiment, vraiment jeune, hein, parce que je crois qu'il animait une émission télé que ma mère regardait. Mais c'est vrai que j'ai pas suivi plus que ça. Ouais, les enfants de la télé, ça j'en ai déjà vu. On demande qu'à en rire aussi. On n'est pas couché aussi. Bon, c'est pas des trucs que je regardais de moi-même, mais quand ça passait à la télé, c'est déjà arrivé que mes parents regardent ça quand j'étais gamin. Donc, bon, pour moi, c'est un animateur que je trouve sympathique, mais je suis pas non plus un très grand fan, parce que je regarde pas spécialement non plus de moi-même ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un que je trouve très sympathique, Laurent Ruquier. Donc voilà, nos trois traîtres sont désignés. Pour l'instant, aucun d'entre eux ne sait qui d'autre est un traître. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça les oblige à jouer pendant tout le reste de la journée sans avoir l'aide des autres. Ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour le début d'émission parce que ben du coup on voit si des personnes ont changé ou pas et surtout comment ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très cool. Notamment, on voit que Crazy Sally, elle s'en sort, mais tranquillement. Alors, il y a le rappeur Stomy Bugsy qui, du coup, lui, apparemment, il la connaît déjà. Et du coup, bah, forcément, il a des doutes sur elle. Mais voilà. Frédéric Bell, bon, elle s'en sort plutôt bien aussi, même si, pareil, on a Romain Puertolas qui a des doutes sur elle. Et qu'elle va réussir à détourner assez facilement en jouant celle qui est choquée de sa façon de l'avoir attaquée. Parce qu'en gros, dès que les traits sont choisis, tout de suite ils peuvent parler directement. C'est comme quand tu joues au loup-garou, voilà, dès la première nuit, paf, on commence à envoyer alors que.
bah, comme il s'est rien passé de spécial dans le jeu ou qu'il n'y a pas eu de discussion avant, bah, franchement, c'est un peu des excuses que tu balances un peu à l'aveugle. Et là, bah, en envoyant des excuses à l'aveugle, bah, Frédéric Bell, elle a été grillée par Romain. Crazy Sally a été grillée par Stomy. Et Laurent Ruquier, lui, a clairement été grillé par son mari, qui est Hugo, si je me souviens bien. Pourtant, parce que je vois pas son nom. Si, Hugo, oui, si, c'est bien ça. Et du coup, Hugo, il va être malin, il va s'en prendre direct à Laurent, tu sais, il va le prendre de côté, il va dire, bon, on fait un truc, tout le reste de la journée. Je ne dis rien, je te protège, et d'ailleurs effectivement il va le protéger à un moment donné quand on demande qui si Laurent si ah, quand les autres lui demandent s'il a vu des trucs en Laurent Ruquier, s'il pourrait être un traître ou non, bah du coup il envoie de non, je connais très bien mon compagnon, il sait pas mentir et tout. Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup il le protège réellement en espérant devenir le traître. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, la deuxième journée, en fait, on le voit quasiment pas, Hugo. Et ce qui fait qu'on ne sait pas trop vraiment sur quel pied il danse. Est-ce qu'il a vraiment été désigné comme quatrième traître, alors que bah, les autres n'ont pas spécialement envie que ce soit lui, surtout Laurent Ruquier, qui n'a pas forcément envie que ce soit son mari, surtout qu'il lui fasse du chantage comme ça, en mode tu me choisis, sinon bah, je te balance. Et le truc, c'est que quand même, quand il y a la partie vote et tout, ben, Hugo a tendance à quand même être avec la majorité et pas sans trop s'en prendre ou vendre Laurent Ruquier. Donc, est-ce que du coup Hugo est le quatrième traître ou pas? Ou est-ce qu'il a quand même lancé des petits trucs et qu'en fait on l'a enlevé pour garder le suspense et savoir qui est réellement le quatrième traître la semaine prochaine? Bref, je sais pas, mais je trouvais ça assez particulier. Mais en tout cas, les traîtres, en vrai, s'en sont quand même bien sortis. Même s'il y a des gens qui ont eu des doutes sur eux dès le début, bah ça reste des doutes plutôt modérés. Tu vois, c'est plus des coups de chance. Sauf pour Laurent Ruquier, mais en même temps, c'est son mari. En plus, ils disent qu'ils sont ensemble depuis plusieurs années. Forcément, les mecs, ils se connaissent bien. Donc, bah, c'est plus facile de déceler si c'est ton mari qui te ment, plutôt que des gens que tu croises peut-être grâce à ton travail et tout, hein, ou tout ça. On sait très bien que les stars, beaucoup se connaissent entre eux, comme les youtubeurs, la plupart se connaissent entre eux, pour les gros youtubeurs. Donc voilà, on sait comment ça se passe, donc à mon avis, la plupart, ils doivent se connaître vite fait comme ça, de vue, et certains peut-être un peu plus. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Après ça, il y a eu une épreuve, parce que globalement, il y a un système de jeu. Alors, le jeu, ou plutôt les jeux, à chaque fois, j'ai eu un problème avec. Mais je vais revenir dessus. Le premier jeu, en gros, tu as des gens sur les 20, donc tu en as, je crois, 5 qui sont en team bleu, 5 en team rouge. En gros, enfin 5 ou 6, un truc comme ça, voilà, qui sont sur des sortes de chaises électriques. Et il y a d'autres personnes qui font partie de leur équipe, deux par deux, qui doivent répondre à des énigmes. Et s'ils répondent bon, bah du coup, c'est l'équipe adverse qui prend un coup de jus. S'ils répondent mal, c'est leur propre équipe qui prend un coup de jus. Et l'équipe qui a le plus répondu à des énigmes, du coup, il remporte l'épreuve. Mais du coup, ce qui m'a dérangé en fait dans l'épreuve, c'est qu'en gros, on explique l'épreuve et direct, on met en place l'épreuve. Ce qui veut dire que il n'y a pas de, ben, on ne sait pas pourquoi telle personne est bleue, telle personne est rouge. Pourquoi telle personne est sur la chaise, pourquoi telle personne pose les, enfin, fait les énigmes. Enfin, du moins, répond aux énigmes. Et ça m'a dérangé parce que à Koh-Lanta. C'est pas très grave. À Koh-Lanta ou à Pékin Express, les équipes sont prédéfinies dès le début. Donc, on t'explique une épreuve, on la fait, c'est normal. Par contre, ici, chacun joue pour sa peau, à part, enfin,
entre guillemets, parce que bon, bah, les traîtres, eux, ils jouent en équipe. Les loyales, globalement, ils sont censés jouer en équipe, mais comme ils savent pas vraiment qui est traître, bon, bah, globalement, t'es un peu, tu survis pour toi-même et ceux que tu penses ne pas être des traîtres. Mais il n'y a pas réellement d'équipe prédéfinie, vraiment en mode, nous, on est loyal, vous êtes traîtres, puisque tout est très flou pour la plupart, surtout les loyaux. Et du coup, moi, ça me dérange un peu qu'on nous explique pas bah, pourquoi telle personne est sur la chaise et telle personne fait les innings. Pourquoi telle personne est bleue, telle personne est rouge. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Ça m'a pas enlevé le plaisir de l'épreuve, parce que moi-même, j'étais le premier à jouer, à essayer de répondre aux énigmes. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Mais la constitution des équipes et qui est sur les chaises, qui répond aux énigmes, ça, j'ai trouvé ça un peu nul, parce que bah, on nous dit rien, on nous explique rien. C'est juste, bon, bah voilà, maintenant vous avez les bleus, vous avez les rouges, et puis bah, vous vous démerdez avec ça. Les énigmes étaient plutôt sympas. J'ai bien aimé l'idée que tout le long où des personnes peuvent répondre aux énigmes, qu'elles apparaissent sur le bas de l'écran. Enfin, du coup, moi j'ai regardé ça en replay, donc moi c'était sur le bas de mon écran. J'imagine qu'à la télé c'était pareil. Et c'est bien parce que ça permet aux spectateurs également de jouer au jeu, du moins dans le jeu des énigmes. Et ça, je trouvais ça bien. Bon, j'ai réussi que la première, les autres non. J'avoue que celle avec les chiffres, hein, j'ai cherché, hein, franchement, j'ai cherché plein de trucs, mais alors la solution, elle était juste hyper simple. Et je me suis dit, je suis trop con de pas avoir pensé à ça. La première, c'était trop facile avec la pyramide. Et après, il y a eu quoi? Le truc des images, alors ça, le truc des images, j'avoue que je voyais pas trop la logique, jusqu'à ce qu'ils me disent qu'en fait c'est juste les mots qui riment qui vont ensemble. Je me suis dit, ok, en fait fallait juste prononcer les mots. En fait, ça c'est toujours un truc dans les énigmes, toujours prononcer les choses à voix haute, parce que ça peut énormément aider. Parce que là, moi, juste à réfléchir dans ma tête, jamais j'avais le truc quoi. Genre, je crois que t'avais un crâne, un couteau, une chouette. Attends, alors, attends, du coup, non, ça faisait une tête, une chouette, une trompette et attends, tête, chouette, trompette et le quatrième, c'était quoi? Le couteau. Et du coup, le mot qui était l'intrus, c'était le couteau parce que c'est le seul qui ne rimait pas en ête. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, si j'avais tout prononcé à voix haute, en fait, j'aurais trouvé l'énigme. Mais c'est vrai que souvent, quand on réfléchit dans notre tête. Et bah sur certaines énigmes comme celle-ci, bah on finit par ne pas trouver. Mais voilà. En tout cas, les énigmes étaient cool. Le fait de laisser enfin, les téléspectateurs jouer, c'est très cool. Donc là-dessus, c'est pas mal. Ensuite, du coup, ceux qui ont gagné, je me souviens que c'est l'équipe, je crois, de Carla. Après, en fait, c'est ça qui est flou, parce que finalement, tu sais pas vraiment qui était en équipe ensemble. On sait juste que ceux qui gagnent, en gros, ils ont le droit d'entrer dans une pièce, où, en gros, tu as une sorte d'énorme commode avec plein de tiroirs. Et dans un des tiroirs, en gros, tu as une amulette qui fait que les traîtres ne peuvent pas t'éliminer. Et là, ce que j'ai trouvé un peu nul avec ça, c'est qu'on te tease la pièce et tout, genre on te la montre, tout le monde te... Waouh, c'est trop bien cette pièce, regardez, il y a des tiroirs vides, il y a un tiroir avec l'amulette, pour qu'au final on ne voit jamais personne dans cette pièce. J'ai trouvé ça nul. Au moins, le lendemain matin, qu'ils nous fassent le reveal de la personne qui a trouvé l'amulette, quoi. Je sais pas, qui est en mode, tiens, bah allez, pourquoi j'ai choisi ce tiroir, ou à l'instinct, tac, je vais à ce tiroir-là, hop, j'ai trouvé l'amulette, enfin je sais pas, mais vraiment... C'est balancé juste le lendemain en mode bon bah Arthur, c'est vous qui avez trouvé l'amulette? Oui, ok. Vous devez me rendre l'amulette. Et vraiment, c'est juste ça. Et je me dis, mais pourquoi nous faire un gros teasing, un gros truc sur la pièce avec l'amulette, si pour qu'au final on n'envoie rien en fait? Montrer au moins le reveal de la personne qui trouve l'amulette, parce que là, j'ai pas compris le délire. C'est un peu dommage. Du coup. La nuit après l'épreuve des énigmes, je crois que les gens ils passent encore un peu de temps à discuter, à essayer de réfléchir à qui est traître ou pas. Et ensuite, après ça, on a les traîtres qui du coup se dévoilent entre eux, donc ils se rencontrent enfin, ils découvrent qui ils sont. Et ils ont le choix d'éliminer quelqu'un et d'annoncer un quatrième traître.
mais qui apparaîtra que la nuit suivante avec eux pour éliminer une nouvelle personne, comme ils devront faire assez régulièrement. Pardon, j'ai lu OK. Du coup, pour ça, ils discutent un peu, on ne nous donne pas la réponse tout de suite, c'est plutôt logique, c'est comme à Koh-Lanta quand ils font des stratégies, on monte les stratégies, on ne monte pas le résultat tout de suite, à part au dépouillement final, c'est plutôt normal. Ensuite, du coup, on a Eric Antoine qui, moi je trouve ça plutôt intelligent, bon c'est montré très vite fait, mais qui en gros donne des enveloppes. Dans les chambres pour dire hop, toi t'es éliminé, toi t'es le nouveau traître. Ça, j'aime bien cette dynamique, même si c'est un peu dommage qu'au final, bah, le premier éliminé, ou du moins j'imagine la plupart des éliminés des traîtres, ne seront pas encore, enfin, ne vont pas rencontrer les autres. Enfin, du moins, voilà, c'est éliminé, tu t'en vas et tu revois pas les autres. Bon, de toute façon, ils savent pas qui les a éliminés, mais je veux dire, c'est un peu dur quand même. Voilà, et d'ailleurs, cette première personne à être éliminée, c'est Julie Ferrier, qui en gros est actrice, humoriste et danseuse, hein, selon celui qui a rempli la page Wikipédia. Actrice et humoriste, c'est sûr, parce qu'elle le disent à la télé. Mais globalement, c'est elle qui va être éliminée en première, parce qu'elle fait partie de ces gens qui enquêtent énormément, qui posent beaucoup de questions, et donc qui posent beaucoup de problèmes. Et du coup, bah voilà, elle se fait éliminer très vite. Donc, un peu dommage. Enfin, de toute façon, dans tous les programmes comme ça, que ce soit Les Traîtres, Koh-Lanta, Pékin Express, les jeux à élimination, avec le premier à partir, c'est toujours le plus difficile. Voilà. Ensuite, on passe le lendemain. Ça, je trouve ça sympa. Tu vois, le lendemain, les gens, ils viennent manger. Alors, au début, je comprenais pas trop le délire. Mais en gros, ils viennent chacun se poser à table. Et ils continuent à discuter tout ça. Et pendant qu'ils viennent discuter, en gros, moi je comprenais pas ce que je les vois arriver chacun petit à petit. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait la personne éliminée ne vient pas au déjeuner. Et c'est comme ça qu'ils se rendent compte de qui a été éliminé. Par exemple, à Koh-Lanta, quand tu élimines une équipe, bah, les autres ils s'en rendent compte au moment de la prochaine épreuve. Là, quand une personne est éliminée par un traître, ce sera comme ça à chaque fois, bah du coup c'est la personne qui ne vient pas à déjeuner, bah, du coup qui a été éliminée. Je trouve le système plutôt intéressant. Voilà. C'est pas incroyable, mais j'aime bien ce système. Tu sais, ils sont là, ils vivent ensemble dans le château jusqu'à la fin du tournage. Donc ce petit côté un peu familial, le matin on mange ensemble et puis bon bah voilà, la personne qui vient pas, celle qui est éliminée. J'aime bien le système. On a Daniel, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est conne Daniel. Elle se tire des balles dans le pied alors que c'est une des personnes de l'émission que j'aime le plus, mais elle se met des balles dans le pied toute seule. Parce que vraiment, t'as quelqu'un qui dit, toi qui pose une question en mode ouais, il y a combien de traîtres? Et Daniel, elle répond à l'instinct, il y en a trois. Alors bien sûr, personne ne sait combien il y a de traîtres. Pour eux, il peut y en avoir qu'un, qu'il peut y en avoir cinq, qu'il peut y en avoir deux, enfin bref. Et elle est en mode, il y en a trois. Et là, tu vois la tête de Crazy Sally qui est très drôle parce qu'elle est vraiment en mode choquée, en mode putain, elle a pré-shot le nombre qu'on était actuellement. Parce que bien sûr, il n'y a que les traîtres qui savent qu'il y en aura un quatrième bientôt. Et sur le coup, c'était amusant. Et juste après, fait, ouais, j'ai éliminé Julie. Et là, oh, ça l'a mis dans une merde. Parce qu'en gros, elle dit des trucs. Mais en même temps, c'est Daniel. Quand on ne connaît pas Daniel, les gens, ils peuvent se. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens qui ne connaissent pas Daniel. Moi qui connais bien Daniel, je sais que à force de regarder ses vidéos, ça fait des années maintenant que je regarde les vidéos de Studio Daniel, où elle dit tout ce qui se passe dans sa tête, et du coup c'est très drôle. Et là, du coup, elle dit des trucs qui lui sortent comme ça. Sauf que bah c'est vraiment les vraies choses, quoi. Quand elle dit qu'il y a trois traîtres, bah, à ce moment-là, il y a vraiment que trois traîtres. Quand elle dit qu'elle a éliminé Julie et tout, et ben le pire c'est que c'est vraiment Julie qui a été éliminée. Et là, ben, ça met d'énormes soupçons sur elle et je me suis dit, oh,
Si Daniel est éliminé au premier épisode, je pète un câble. Parce que moi, Daniel, je veux la voir aller le plus loin possible parce que bah, j'aime trop Daniel. Elle est géniale. Donc, c'est la personne de tous les gens qui sont dans l'émission qui me divertit le plus. Peu importe de quoi on parle, hein, que ce soit programme télé, cinéma ou internet, bah, Daniel, c'est clairement celle qui me. Qui me divertit le plus. Donc, l'avoir été éliminée au premier tour, ça me fait un peu chier, quoi. Donc, j'ai eu très très peur pour elle. Après ça, on passe à une deuxième épreuve. Donc, épreuve qui était vraiment sympa. Tout simplement parce qu'on est sur le jeu des valises. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu des valises, moi, je connais ce jeu grâce à Amixem quand il a fait sa vidéo où il parle du fait d'être allé en vidéo comment il s'appelle l'américain là? De Mister Beast. Et qu'en gros, à un moment donné, tu as justement ce jeu des valises, hein, qui en plus je crois était l'épreuve finale, qui a rendu Amixem encore plus célèbre autour du monde. Bon, il était déjà très célèbre en France, mais là, ça l'a rendu très populaire à l'international. Et en gros, ce jeu des valises, c'est simple. Après, il y a d'autres variants et tout, mais le principe est toujours le même. C'est, t'as une valise, tu as quelque chose dedans ou pas. Alors, dans les traîtres, hier soir, c'était en gros, soit t'as des amulettes, soit il n'y a rien. Mais tu as aussi des variants où soit tu as une chose, et soit tu dis la vérité de ce qu'il y a dedans, soit tu dis autre chose. Et voilà. Bref, il y a plein de variants, mais dans les cas, c'est soit tu dis la vérité, soit tu mens. C'est aussi simple que ça, le jeu des valises. Et le truc, c'est que là, pareil, dans la constitution du jeu, pareil, on ne t'explique rien. C'est-à-dire que bon, tu as Bruno Solo qui est mis à l'écart, puisque du coup ils sont plus que 19, donc forcément il y a une personne qui ne joue pas, c'est Bruno Solo. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que j'étais pas très attentif à ce moment-là, mais bon, j'imagine que ça a été un tirage au sort et que du coup bah il a pas bah, c'est lui qui peut pas participer, donc qui peut pas s'immuniser, puisque le principe du jeu c'est que il y a plein de binômes dans différentes chambres. Donc, des binômes, tu sais même pas comment ils sont constitués, c'est juste les gens ils sont mis en binôme comme ça. Je me souviens que tu as justement Crazy Sally avec Sylvie Tellier, tu as par exemple Stomy avec Frédéric, il y a Carla avec un mec que je connais pas. Bref, non, si elle était avec Hugo. C'est le Jean-Christophe qui était avec un gars que je connaissais pas, ou d'ailleurs Jean-Christophe Bouvet que je connaissais pas plus que ça. Pourtant, j'ai vu certains films dans lesquels il a joué, mais je me souvenais pas de lui parce que c'est des films que j'ai vus il y a extrêmement longtemps. Bref. Mais les binômes, si tu comprends pas trop comment ils sont constitués, alors on sent qu'ils ont essayé de mettre un traître avec un loyal, et qu'après, bon, les autres binômes, voilà, ils ont été faits un peu au pif, hein, j'ai l'impression. Même si Studio Daniel est resté avec Arthur, enfin bref, on ne comprend pas trop le délire dans les binômes, mais ça, je trouve ça dommage. Voilà, t'sais, même si on voit le tirage au sort, tu vois, pour une ou deux équipes, tu vois, on monte ça pendant 1 minute, mais au moins tu comprends pourquoi, comment sont constituées les équipes. Là, tu comprends pas trop, c'est allez hop, on balance le jeu, et puis c'est tout. Encore une fois, je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, dans ce jeu des mallettes, du coup, il y en a. Deux mallettes avec deux amulettes, donc ceux qui du coup qui conservent, parce qu'en gros voilà, l'épreuve c'est t'as un duo qui est dans une pièce avec une mallette. Au début du coup c'est Stomy et Frédéric qui viennent, donc ils arrivent, ils sont en mode voilà, ceux qui ont la mallette ils doivent bluffer. Soit ils disent on a les amulettes, ou ils disent on l'a pas, soit ils font rien, notamment Jean-Christophe et son binôme, eux ont pris le parti de ne rien dire, de juste bluffer visuellement, avec des expressions faciales ou des trucs comme ça. Pareil, Studio Daniel et Arthur ont fait le choix de donner extrêmement peu d'infos à Carla et son binôme, et Hugo je crois, et voilà. Et ensuite, le binôme qui rentre dans la pièce, du coup, doit dire je prends la mallette ou vous gardez la mallette. Donc, si tu penses que
que il y a l'amulette dans la mallette. En gros, bah tu la prends. Si tu penses qu'il n'y a rien dedans, tu la laisses. Et ensuite, une fois que le binôme qui rentre dans la pièce a fait son choix, bah si tout simplement s'il y avait les amulettes dedans, ben c'est bon, c'est gagné, ils sont immunisés. Si par contre il n'y avait pas d'amulettes dedans, et ben là c'est foutu et ils ne sont pas immunisés. En sachant qu'apparemment, de ce que j'ai compris, les amulettes immunisent contre le choix des traîtres, mais pas contre le vote du village. Pour reprendre la caricature, enfin la métaphore avec le loup-garou. Donc vraiment, si tu as une amulette, tu peux être éliminé par le vote de tout le monde, mais pas. Bah oui, bah, de toute façon, c'est ce qui vient de se passer en fait. Le gars qui a été éliminé avait conservé une amulette dans le jeu des valises, et pourtant il a été éliminé. Donc c'est en fait, ça protège que des traîtres. Donc c'est plutôt intéressant, quoi. Ça te fait pas une immunité totale, totale. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ce qui fait que du coup, on comprend mieux pourquoi les traîtres en ont un peu rien à faire d'avoir les amulettes ou pas. Et comme je disais, Frédéric Bell va à nouveau pré-shot un truc hyper intéressant. C'est que, en gros, quand ils arrivent, il dit ouais, je pense que les amulettes sont pas dans la première salle. Elle fait, je pense qu'ils sont dans la troisième salle. Ils vont dans la première salle. Stomy, il l'écoute. Et du coup, y a rien dans la mallette. Ils vont dans la deuxième salle. Frédéric a dit, moi, je suis sûr, il n'y a rien dedans. Je suis sûr que ce sera dans la troisième salle. Et là, du coup, bah, Crazy Sally et Sylvie Tellier, bah, elles vont beaucoup jouer quand Frédéric dit ça. Et puis du coup, bah, ça convainc un peu Stomy. Du coup, ils sont en mode, bon, bah vas-y, on leur laisse. Et du coup, bah, les filles, elles font, tu vois, elles font la comédie mode en mode, ouais, on a conservé nos amulettes et tout. Enfin, ouais, elles le disent pas, mais tu vois, elles jouent un truc pour montrer qu'elles ont gagné les amulettes. Du coup, Stomy va tomber dans le piège. Et du coup, en tombant dans le piège, bah, en fait, la valise plutôt était vide. C'est que du coup, ensuite, c'est du coup Sally et Sylvie qui vont aller dans la troisième pièce. Et dans la troisième pièce, il y avait bien les amulettes conservées par Amy et je sais plus qui, parce que le mec je le connais pas, je suis même pas sûr qu'on ait eu son portrait à lui. Et du coup, tu dis, c'est quand même fou l'instinct. Alors, du coup, Frédéric Bell, elle est justifiée en disant qu'elle est voyante depuis qu'elle est toute petite. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est libre à chacun. Moi, personnellement, je ne crois pas énormément à ces choses-là. Mais il faut quand même reconnaître que bah, Frédéric Bell, elle a quand même préchote des trucs de fou, hein. Le fait qu'il y aurait quatre traîtres dans l'émission, le fait de savoir exactement dans quelle pièce se trouveraient au moins deux des amulettes. Je me dis, voilà, elle a quand même un don dans un truc. Voilà, moi je crois pas trop aux voyants et tout ça, mais il faut quand même reconnaître que là, elle a fait fort. Et d'ailleurs, ce fameux don va servir par la suite. Parce qu'en gros, t'as un peu ce moment, un peu comme à Koh-Lanta, avant Conseil, où les gens, voilà, ils discutent, préparent les stratégies. Bah là, c'est un peu pareil. Ils sont dans le château et ils doivent discuter entre eux pour, voilà, un peu d'essayer de deviner qui est le quatrième traître, qui bon, sachant que le quatrième traître ne sait pas avec qui il est, il n'y a que les trois autres qui savent parce qu'ils l'ont sélectionné, parce que je pense pas qu'ils aient pu parler pour se le dire, hein. Sinon bah ça enlèverait toute la surprise qu'ils auront au début de l'épisode suivant, mais voilà. Et du coup, ça discute. Sally, elle a la très bonne idée, en gros, de jouer sur le don de voyance de Frédéric en lui demandant, tiens, est-ce que tu peux nous faire un tour? Et comme le matin au déjeuner, Frédéric avait été attaqué par Carla, qui pense que Frédéric est une traître. Bah du coup, Frédéric a eu l'enjeu pour
Fumble est en mode hop là avec son petit pendule. Ah oui, Carla est une traître. Quand ça tombe sur Daniel, elle fait non, pas vraiment, c'est possible, mais non. Quand ça tombe sur elle, fait non. Bon, forcément, Carla et Daniel, elles y croient pas du tout, mais peut-être que d'autres peuvent le croire. Surtout que, ben, avec le fait que Sally a bien mis en avant ce truc des valises, ben, certains restent bluffés, notamment ben, ceux qui étaient au courant. Donc, de ce qu'avait dit Frédéric, et même Stomy, si c'est pas lui le quatrième traître, ben, même lui, s'il est vraiment loyal, on ne saura que la semaine prochaine s'il a été choisi ou pas comme quatrième traître, mais s'il est toujours loyal, ben même lui, il va donner de l'importance à ce truc-là, parce que ben, effectivement, lui, il a été témoin de ce qu'a dit Frédéric. Donc c'est plutôt intéressant. Et par la suite, du coup, tout le monde va dans la pièce avec la pièce avec la table ronde. On discute un petit peu, voilà, on attaque d'autres. Pour essayer de, un peu comme au conseil, quand on discute hein, et tout ça, bah là c'est un peu pareil, on discute, on essaye de dire oui, moi je pense que toi tu es traître parce que nanana, chacun son argument. Au début, les arguments, notamment par rapport à Carla, mettent beaucoup de doutes sur Frédéric. Il y a aussi beaucoup de doutes sur Daniel, le fait qu'elle dise qu'il y ait trois traîtres comme ça, cash, tu vois, c'est pas, bah tiens, il pourrait y en avoir autant que ça, tu vois, t'en as, ils sont en mode, moi j'ai des doutes sur tant de personnes, j'ai des doutes sur tant de personnes. Le fait que Daniel ait dit, il y a trois traîtres, qu'après ils disent, Julie, je l'ai éliminée. Du coup, qu'ils la mettent en porte-à-faux vis-à-vis de pas mal de personnes. Voilà, bon, elle avait un peu joué sur les mots en disant non, moi j'ai pas dit ça comme ça et tout, mais quand même, voilà. Et on a aussi Jean-Christophe qui va être en danger aussi, puisque ben, quand Sally voit que beaucoup de regards sont sur Frédéric, elle décide de détourner les choses sur Jean-Christophe en mettant en avant le fait que ben, il a vraiment ce côté. Vous savez, quand on joue au loup-garou, il y a deux types de loup-garou. Il y a celui qui est très agressif, qui dès le début va attaquer des gens, va essayer de se défendre un maximum en ayant des arguments et tout, des fois justes, des fois injustes, mais qui va attaquer très vite. Et t'as souvent ces loups-garous qui restent juste cachés derrière les autres et qui parlent pas beaucoup. Et du coup, bien sûr, Sally ne l'explique pas avec une métaphore du loup-garou, mais globalement, c'est ce qu'elle explique, c'est que ben, Jean-Christophe, il a tout. De suspect par rapport à ce que pourrait être un trait quoi. Il est là, il parle pas beaucoup, il reste dans son coin, il surveille les autres, machin. Et bah, c'est vrai que ça peut être très clairement un truc de trait. Si tu parles pas aux gens, tu peux pas te griller. Et voilà. Et du coup, ça va retourner la tête d'énormément de monde. Et ce qui fait qu'au moment du vote, alors je savais pas que pour le vote, vraiment, tu dévoilais tes votes à toi devant tout le monde, un peu comme au maillon faible, où le maillon faible, à la fin du tour, ben voilà, faut éliminer le maillon faible, et hop, tout le monde est là en train de se voter, vraiment les uns en face des autres. Là, je savais pas que ça allait être pareil, où chacun allait voter direct les uns en face des autres, c'est plutôt intéressant. En plus, les gens, du coup, ils gardent en tête ce qui a été dit, qui a voté contre soi. Bon, dans Koh-Lanta, les gens, ils le devinent facilement parce qu'au bout d'un moment, tu reconnais les écritures et tout. Mais voilà. Ça, je trouve ça intéressant de dévoiler les votes, tout le monde les uns en face des autres. J'ai trouvé ça bien. Et voilà. Après, Jean-Christophe, du coup, a été éliminé. Il a eu plus de voix que Daniel. Ça, j'avais eu très très peur pour Daniel. Frédéric a quand même envoyé une voix sur Carla. Alors ça, j'ai pas trouvé que ce soit la meilleure façon de jouer, en sachant que Carla avait changé ton fusil d'épaule, resté sur Carla. Bon, après, Frédéric pouvait pas deviner que Carla, elle, allait réellement changer de fusil d'épaule. Mais du coup, ça peut faire que Carla va peut-être réavoir des soupçons sur Frédéric. Donc, faire attention à ça. Mais du coup, ensuite, on nous tease le quatrième traître, hein, avec Laurent, Frédéric et Sally qui sont dans la pièce des traîtres. Le quatrième qui arrive, on voit les trois que l'on connaît déjà dévoiler leur visage.
Et quand le quatrième va le faire, boum, l'épisode est terminé et on passe, enfin, faudra attendre la semaine prochaine. Donc voilà un peu comment s'est passé ce premier épisode. J'imagine que sur les épisodes suivants, forcément, il n'y aura pas toute cette partie où on présente tout le monde et tout. Je pense qu'on attaquera directement bah, sur le réveil qui a été éliminé. Enfin, d'abord sur qui est le quatrième traître, mais ensuite sur le réveil, premier jeu éliminé. Ensuite, réveil, deuxième jeu éliminé. Je pense que c'est plus le format comme ça qu'on aura après par la suite. Peut-être qu'il y a des formats spéciaux hein, quand il y a de moins en moins de monde, on verra. Parce que moi, j'y connais rien à nouveau. Hein. C'est la première fois que je regarde. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Ce que j'aime bien, c'est l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a un peu où tout le monde se jauge, personne ne sait qui est traître, qui n'est pas traître. Tu vois, ça met du suspense et j'aime beaucoup parce que du coup, bah, il y en a quasiment tout le temps. Et nous, on sait qui l'est, on sait qui ne l'est pas. Je trouve ça hyper intéressant. Le jeu est vraiment intéressant. Les activités en elles-mêmes, je les trouve plutôt cool. L'épreuve de la valise c'était très cool, surtout que avec ce jeu un peu ce jeu du menteur, vérité menteur, j'aime bien parce que ça peut aussi montrer les personnalités des gens. Est-ce que les traits vont se dévoiler à travers ce jeu ou pas? Du coup, je trouve ça intéressant. Le jeu de la chaise électrique avec les énigmes, c'était plutôt intéressant. De ce qu'on voit dans les teasers, les prochains jeux vont aussi mettre tout le monde à rude épreuve. Donc, je trouve que voilà. On est plutôt pas mal en termes de jeu. Après, j'aime beaucoup moi les jeux d'élimination, les jeux où ça bluffe, où ça joue. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup. Le programme en lui-même, honnêtement, j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé, je passe un très bon moment et tout ça. Par contre, ce que j'aime le moins, c'est le fait que c'est très long. Alors peut-être que c'est parce que c'est que le premier épisode, mais 2 heures de programme. C'était extrêmement long. Pour moi, c'était beaucoup trop long, 2 heures. Bon, après, voilà, j'ai regardé, je faisais de l'écriture à côté. Bon, voilà, je n'étais pas non plus perdu. J'ai débuté en mangeant et tout. Mais c'est vrai que 2 heures, quand même, ça fait très long. En plus, c'est diffusé le jeudi soir. Les programmes aujourd'hui commencent plus avant 21h15. Ça te fait finir à 23h15, 23h30. C'est très long. Alors, dites-moi si c'est juste parce que c'est le premier épisode et que les épisodes suivants, ils durent un peu moins longtemps. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça très long. Voilà. Surtout que j'ai pas eu tant de pubs que ça. J'ai dû en avoir 3, un truc comme ça. J'en ai pas eu énormément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si, comme je parlais de cringe à un moment donné. Éric Antoine, pour moi, c'est une catastrophe. C'est très personnel, mais je n'aime pas la façon d'animer d'Éric Antoine. Avec Denis Brogniart, j'aime beaucoup, parce que Denis Brogniart, il a un côté. On sent d'un côté sa passion de l'émission, du sport, et en même temps, il essaye, je dis bien, il essaye de rester le plus impartial possible, parce que des fois, bon, bah voilà, il gâche tout en balançant des trucs hein, qui auraient pu servir à des stratégies, ça je trouve ça dommage. Quand on regarde Stéphane Rothenberg, qui pour moi est clairement le meilleur animateur dans des émissions télé comme ça, voilà, il est très simple. Tu vois, c'est pas non plus très solennel comme avec Denis, voilà. Avec Stéphane Rothenberg, il y a un côté un peu plus cool, un peu plus posé, mais quand même une distance et tout ça. Et j'aime beaucoup la façon d'animer de Rothenberg. Par contre, à l'animation d'Éric Antoine, en fait, ce qui me dérange, c'est que il joue trop. En fait, il fait de l'acting, et ça me dérange. Parce que tu es là pour animer un programme, t'es pas là pour jouer un rôle au cinéma ou dans une série télé. Et moi, ça me cringe énormément. Il y a des moments, il me cringe de fou quand il anime certaines parties. Les parties où il est en mode, voilà, j'explique des trucs et tout, ça va. Mais alors, il y a des moments, oh, mais il me cringe de fou. Genre le moment où, avec les traites, il se découvre et qu'il se met à faire son rire, même à un moment donné, il fait, ah, attends, je fais mon rire diabolique. Oh, mais j'étais cringe de fou, je me suis dit non, il a pas fait ça, c'est ridicule, mais c'est d'un ridicule.
Et c'est assez dommage. Franchement, c'est très dommage. Après, bon, heureusement, l'animateur, c'est ce qu'on voit le moins de l'émission. Mais, l'animateur, j'aime pas. Voilà. Eric Antoine, honnêtement, j'ai jamais vraiment réussi à aimer Eric Antoine quand j'étais plus jeune. Et là, en tant qu'animateur, bah, ça passe pas non plus. Alors, je dis pas que je déteste, mais juste sa façon d'animer, bah, j'adhère pas. Voilà. Donc, à côté de ça, il y a quand même des personnalités que j'ai bien aimées dans cette émission. Parmi ceux que je connaissais pas, Stomy Bugsy, j'ai vraiment bien aimé. J'ai même hâte de voir ce qui va devenir par la suite, parce que vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé aussi Romain Puertolas. Pareil, très bonne analyse et tout. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà. Et petite déception, parmi les gens que je connais, c'est Bruno Solo, qu'on n'a quasiment pas vu. Voilà, c'est un peu dommage. Amy LTR, qu'on n'a quasiment pas vu non plus. En général, quand tu montres pas les gens, c'est que ben ils ont fait les choses pas suffisamment intéressantes pour apparaître à l'écran. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et voilà. Et après, bon ben, Crazy Sally, je pense que je vais avoir du mal avec elle pendant tout le long. Et c'est compliqué parce que d'un côté elle joue bien, mais en même temps je trouve qu'elle en fait. En fait, je trouve que c'est en fait, c'est vraiment dans sa manière d'être. Parce que ça se sent que il y a des moments, ça se sent où elle est vraiment en train de faire de l'acting et tout, pour se défendre et tout. Et ça se sent quand elle est naturelle. Moi, je le. Bon, après, c'est parce qu'on le sait aussi. Mais ça se sent quand elle est vraiment naturelle. Et même quand elle est naturelle, elle en fait des tonnes. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime pas. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes fan de Crazy Sally, bah, je suis désolé. Je reconnaîtrai très souvent, si elle continue à jouer comme elle fait, qu'elle joue très très bien, mais je vais jamais réussir à l'aimer et qu'elle soit une de mes favorites. Par contre, parmi ceux que j'aime vraiment bien, que je soutiens dans les gens que je connais déjà, bah déjà il y a Studio Daniel. Bon, Studio Daniel, elle me fait marrer, elle joue pas hyper bien tout le temps, mais voilà, elle me fait trop rire. Sylvie Tellier, j'ai bien aimé sa façon de jouer pour l'instant, et voilà, j'aime bien Sylvie Tellier. Arturo Lombard, pareil, pour l'instant, j'aime bien ce qu'il fait et tout. Frédéric Bell, pareil, des fois elle en fait peut-être un peu trop. Et voilà, pareil, le rire diabolique là avec Eric Antoine, ça m'a cringe de fou. Je me suis dit, Frédéric, ne refais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup, mais ne refais pas ça. Personne dont je suis pas non plus le plus grand fan, parce que bah, il y a une époque, elle m'a cassé les couilles avec son bim bam boum. Mais pour l'instant, je trouve que Carla s'en sort plutôt bien. Elle a des bons instincts, notamment sur le jeu des énigmes. Elle a réussi l'énigme sans comprendre le fonctionnement. Alors d'ailleurs, personne n'avait compris. Ce truc des chiffres où chaque chiffre équivalait à une lettre dans l'alphabet, alors c'était pas con comme énigme, mais personne l'avait deviné, et elle a trouvé la bonne réponse, plus parce qu'elle a un bon instinct qu'autre chose. Même elle le dit, j'ai énormément de chance et bah, je vais beaucoup jouer là-dessus. Et plus tard, voilà, quand elle commence à soupçonner Frédéric Bell, bah, elle a totalement raison, et voilà, je trouve qu'elle est plutôt intéressante, Carla. Voilà, en tant que chanteuse, voilà, bon, en même temps, à part Bim Bam Boum, je connais pas ses autres chansons, et bon, à l'époque, comme ça passait partout, j'en pouvais plus, hein, un peu comme la Reine des Neiges, avec celle la version chantée par Anaïs, Delva et tout ça, bref, mais voilà, j'ai rien contre elle, particulièrement, et honnêtement, peut-être que cette émission me fera aimer Carla, ou même d'autres personnalités que je connais pas, hein, comme Romain ou Stomy. Bref. On va arrêter la vidéo là. Du coup, la réponse à la question que je me suis posée en début de question, j'allais dire, en début de vidéo, est-ce que je vais continuer de parler des traîtres sur cette chaîne ou pas? Eh bien, la réponse est oui. Même si. Je suis très cringe quand on a Eric Antoine de présent.
Même si je trouve ça dommage qu'on ne nous explique pas mieux les épreuves, ou du moins pourquoi les épreuves sont constituées comme ça, ou telle personne est en équipe avec telle personne et tout. Même si j'ai trouvé l'épisode très très long. Des fois, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur des trucs pas très utiles. C'est pareil à Koh-Lanta, des fois je trouve qu'on passe trop de temps sur des trucs inutiles à Koh-Lanta. Ici, c'est pareil. Mais pourtant, bah, j'ai passé un bon moment, ce côté un peu stressant, notamment pour Daniel que j'adore. Voilà, quand surtout au conseil, là, quand je voyais plein de votre poids, je me suis dit non, les salauds, ils vont quand même pas aimer Daniel dès le premier épisode. Parce que bah, là, c'est Daniel, quoi. Et voilà, et surtout le teasing de fin en mode voilà, vous saurez que à l'épisode précédent, enfin, à l'épisode suivant, qui saura le quatrième trait et tout. Bah, j'avoue que ça a marché sur moi. Là, j'ai qu'une envie, c'est de voir le prochain épisode et savoir qui est ce foutu quatrième traître. Du coup, oui, l'émission a très bien fonctionné sur moi. Et bah, j'avoue que j'ai très très hâte de voir ça. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment les traîtres, eh ben, sachez qu'à partir de maintenant, les traîtres et le troisième programme dont on parlera sur cette chaîne, Anacalypsis et Pékin Express, que je vais très certainement renommer. De toute façon, je pense renommer la plupart des chaînes YouTube qu'on a différemment. Voilà, parce que comme la plupart du temps, je suis tout seul à faire les vidéos, je pense peut-être renommer les chaînes YouTube. Mais celle-ci, c'est sûr qu'elle va être renommée. Sûrement Anacalypsis and French TV Show ou un truc du genre. Parce que bon, si à chaque fois faut rajouter des noms de programmes télé pour montrer tous les programmes télé dont on va parler, s'il y en a qui sont de plus en plus intéressants avec les années qui viennent, ça risque de donner un nom de chaîne YouTube un peu trop grand. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes des gens fans des traîtres, si vous, si vous avez découvert les traîtres avec, enfin, en même temps que moi avec ce premier épisode de la saison 3. Bah, voilà, pour ceux qui veulent continuer à regarder, sachez que c'est peut-être la seule fois où on fait une vidéo des traîtres de cette manière-là, où je ne me montre pas. Je pense que les autres épisodes où on parlera des traîtres, je me filmerai comme quand je parle de Koh-Lanta et Pékin Express. C'est juste que là, bah, je suis pas chez moi et j'ai pas mon pied pour la caméra et tout ça. Donc voilà, je fais un peu différemment pour cette première vidéo. Voilà. Donc, passez une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.